C'est pour réaffirmer à Jean-Patrick Ibaba qu'il n'y a aucune volonté des pouvoirs publics à vouloir museler les ordres religieux que Lambert Noël Mata a reçu l'archevêque métropolitain de Libreville. Les mesures restrictives, telles qu'allégées par le gouvernement dans leur seconde phase, concernent tous les secteurs fortement impactés par la pandémie et ne sont dirigées vers aucune entité ni institution. J'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur pour évoquer la situation actuelle qui concerne la réouverture des lieux de culte. Le ministre du culte a réaffirmé la proposition de la réouverture des lieux de culte le 30 octobre. Et ensemble, nous avons échangé. Alors, nous sommes en dialogue. Les questions liées au rituel de la célébration eucharistique, le quota des fidèles et même du nombre de cultes, tout a été abordé. L'archevêque a tenu à traduire au ministre du culte le ressenti des fidèles face à la dureté des mesures gouvernementales vis-à-vis de l'Église. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé que cette perception ne traduit pas la volonté du gouvernement guidée par le principe de précaution pour éviter la mise en danger des fidèles et des citoyens.